ça se passe bien. Pour l'instant, t'es mon premier que je croise parce que les 4 premiers sont passés il y a à peu près 40 minutes. Puis ils étaient super rapides en fait. Sur le parcours, quelles sont les grosses difficultés que t'as rencontrées? Écoute, là, la boue, c'est vrai que. C'est vrai que là, pour y être avec toi, je peux te dire que chaque appui est important. Mais il y a des portions bien gluantes. Mais j'aime bien ce genre d'aventure. Tu vas aller sur le terrain? Ouais, moi j'adore ça. Moi, plateau télé pour les autres. Macraquil. Un ça grand va honneur pour moi. Ça va, tu te sens bien? Eh bien écoute, il faut gérer hein. Ouais, je sais. Là on va finir la portion jungle. Ouais. Ça fait du bien de quitter la boue un peu. Ouais, et là ça redescend brutalement, ça glisse un peu, alors tu fais gaffe. Moi je reste avec toi. Faut se rendre compte qu'il court dans des conditions de boue extrêmes. Et moi j'essaie de suivre. C'est pas facile. Et eux, ils ont plus de 40 km dans les pattes. Julia? Ah, oh, première fille! Yeah, à peu près 9e, c'est ça? C'est très très bien! Comment tu te sens, ça va? C'est top! Et pas loin des mecs en fait! Donc là, c'est le premier tiers de la course. On a passé vraiment le plus dur. Il reste encore du dénivelé devant, mais on va revenir sur un plateau. Ça va être roulant. On croise des personnes qui prennent le temps de se reposer. C'est important. Mais non, non. Hey, dis-toi que là, t'es à la moitié. C'est pas maintenant qu'il faut abandonner. T'es largement bien placé dans les 15 premières. Donc honnêtement, t'es bien. Toujours avec le sourire, c'est ça qui fait plaisir. C'est très bien.